51 ans, arrêté par la Sûreté du Québec. Pour la suite des événements, eh bien, je vous dirais que les enquêteurs et le DPCP établissent avec précision les chefs d'accusation qui seront portés, Pierre. Maintenant, qu'est-ce qui est reproché à Pierre Dion, bien connu là, pour ses prestations sur les médias sociaux où il dénonce les mesures sanitaires, le port du masque, les décisions du gouvernement Legault? Eh bien, à trois reprises, il aurait tenu des propos considérant comme étant des menaces envers François Legault, envers le premier ministre du Québec, une fois la mi-octobre sur YouTube et deux fois en novembre sur son compte Facebook. C'est ce qui lui a valu d'être arrêté ce matin. Bon, on ne dévoilera pas la teneur de ce qu'il a dit à ce moment-là. Chose certaine, c'est un homme qui avait déjà un lourd passé judiciaire, même qui était sous condition là, à la suite d'une autre arrestation pour des propos haineux sur Internet. Alors, la suite des événements, sa comparution, on saura si le juge accepte ou non qu'il soit libéré là, durant les procédures judiciaires. Donc, Pierre Dion a arrêté ce matin, très tôt à Saint-Anne-des-Plaines, alors qu'il était dans son véhicule. C'est la Sûreté du Québec qui a procédé à l'arrestation.